Bonjour. Salut. Bonjour à vous, bienvenue dans le beat The Xari avec Super Zolo qui passe afin de battre le Xari sur Towerfall pour commencer. J'espère personnellement que vous allez bien puisque ça m'intéresse. C'est une information qui est subsidiaire mais en somme toute intéressante quand même. Je vais bien, je vais bien. Non, c'était les viewers, pas toi. C'est voilà, les gens qui sont derrière cette caméra ou devant leurs écrans plutôt. Parce qu'il n'y a personne derrière physiquement dans cette caméra en fait. C'est bon, c'est terrible là, cette intro dure 26 ans. Merci à toi, Epic Katana. Après Joachim Grigini. Serait-ce la journée des Diox? Je sais pas, en tout cas c'est une journée qui paraît ensoleillée, pourtant elle est bel et bien grise. Alors vous allez jouer à Towerfall pour commencer un 1v1, qu'est-ce qu'il y a toi? Il faudrait bouger la plante, parce qu'elle est juste devant l'écran, on pourra pas lire les trucs. Okay. Non, mais ne bouge pas la plante mec, j'adore. Okay. C'est du training là, on est d'accord? Là c'est le jeu les gars. Alors c'est un BO3 de game de Towerfall. Alors celui qui est passé dernièrement dans le Beat the Xari, c'est bien Raph, et Raph a fait donc, il l'a battu 3-0. Hein. Voilà, c'est un BO3, il a gagné 3 games, bien sûr. 3 games bien sûr. Hein. C'est easy as fuck, hein. Il lui a mis comment dash. Donc t'as intérêt d'être c'est quoi la touche pour dash que lui. Oh merde. C'est les gâchettes de haut, les gâchettes du haut. J'ai pas tiré une flèche, t'es genre. Oui. Non mais là ça joue pas vraiment. Ah si. Ah ouais. Bah oui, petit bolo. Tu as pris une game, tu vas recommencer, recommencer. Tu es rose, Xari? Ouais. Ok, donc Xari est rose et Super Zulpux sera vert. Exactement. Il est vert. Ouais, je suis. Vous jouez sur le Twilight Spire Last Man Standing. C'est le mode, c'est le dernier debout qui remporte la victoire. Et il faut être debout. Ce n'est pas une métaphore, c'est physiquement, il faut être debout pour gagner. Ni accroupi, ni allongé, mais debout. Ah putain. Et voilà, la game est remportée j'ai pas les réflexes. Solo, si je te caresse l'épaule gauche de cette manière, est-ce que tu peux avoir les réflexes? Ouais, si. Ça va là? Ah! C'est pas trop gay encore, ça va, on peut continuer. Écoute, on continue. S'approche de la barrière hétéro là, petit à petit. Et voilà, facile. Bah mec, on va continuer, écoute, on gagne des gains, tiens, mon petit pote. Hein. Prends donc mon courage. Qu'est-ce qui s'est passé, Xari? Là, on l'a passé la barrière hétéro. Là, on l'a mis. C'est un peu trop bizarre. Oh. Ouais. Mais tu vois, tu t'es arrêté, j'ai perdu donc. Bah, j'arrête, je suis désolé, mec. Ah, il s'en bat les couilles, il y a quelqu'un qui s'en bat les couilles. Arrête, mec. Mais c'est terrible. C'est énorme. Comment veux-tu que je gagne? Bah maintenant Max ça ne marche pas. Ton mode jaune est fait. Comment je suis censé me concentrer? Tu peux pas et malheureusement moi j'en profite car voilà, je m'en bats les couilles. 3 points à 1. Non c'est délicat. C'est svelte, c'est comment il est. Oh là là. C'est un taille fine, regarde ça marche. Tu vois ça marche. Relouman ici sur le plateau. Oh là là là. Oh là là, attention parce que ça met des gains. Hein. Non, moi je m'en bats les couilles. En fait j'ai compris que pour gagner il faut tirer. Alors oui, par contre, faut éviter les flèches, sinon tu meurs. Mais j'ai le même défaut que sur FIFA, je tire pas assez. Ah bah oui. Bon, dans la vraie vie aussi, vous me direz. Mais comme bon. Dans la vraie vie, ouais. Qui a dit ça? Ah, c'est Max. C'est une bonne blague caca. On adore ça, les blagues caca. C'est bien. Pardon. La goutte. Bless two heroes. Oh, habile ça. Habile. Salut, je m'appelle Ezreal. Oh putain, c'est Polos. C'était tellement nul. Oh. Oh, dommage. T'aurais pu l'éviter. Ouais. Mais qu'as-tu fait? Ouais, y a 5 points à 3. Il y a une phase d'observation là. La première game qui part en faveur de Xari. Oh, hey, Zulu, là, oui. J'ai rien dit, mais là le 1v1 faisait rage. Ouais, joli. 5.4, j'essaie Zulu, d'apprendre de mes erreurs. L'expérience 3k2 hein, sur WoW qui parle hein, ici. Ouais, exactement. Oh, il a eu le. Ah, il te l'a volé. Il a eu mon bouclier. Oh, le petit. Ah, oh. What? Parce qu'en fait, j'avais plus de flèches, du coup, bah. Il a réussi bon, à me tuer. Personne n'a gagné là. Non. What? Ah, ok. Ah, ok, d'accord, Xari. Oh, tu m'as spam, mec. Exact. Exact. J'ai en même temps, je suis tombé sur un gros coffre. Ah, bien joué, Sazolo. Ah, ok. Oh, dommage. Bah là, il s'est pas laissé faire, quoi. Xari qui prend de l'avance, hein, qui est à 7 à 5. 7 à 4 ou 7 à 5, je ne sais plus exactement. Bon, là, et le voilà. Shield, forcément, je me suis fait bolos. Ah oui, j'ai le shield, là, le 7 shield à de 5. Ah, c'est bon, il est parti, c'est que 3 points d'avance. Pfff.
Je suis un con. Toi, c'est gentil, ça. De toute façon, ça se jauge des deux côtés. Oh là là, c'est terrible déjà comme ça. J'essaie de dasher pas. Et il a marché. Puisque je peux te tuer en te. 7 à 6 désormais, bientôt. C'est une seule manche qu'on fait ou... Non, c'est BO3. Ok. J'essaie de te prendre pour un jambon là, ça n'a visiblement pas fonctionné. Oh, 7 à 7. Le bon timing pour moi. On le va bon bientôt. Timing. On est une égalité, peut-être un point pour Zulplux ou Xari, on verra bien. Le match qui fait rage. Et déjà le comment point je me fais avoir là-dessus. Et Xari hein, désormais qui mène comment 8 points à 7. Donc un score de 7 à 8. Hein, un score qui ferait plaisir à Harry Roselmack. Si tu nous regardes. Très bonne blague à toi. Okay. Ah, je croyais que j'avais eu le bouclier, mais tu l'as eu. Non, tu l'as eu, mais je te l'ai enlevé. Attends, en fait. Replay. Non, mais en fait. Ah, je l'ai pris alors que j'en avais déjà un. Exact. Ok. Je pensais que ça s'était fait dans le sens inverse. Mais voilà, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh là là ! Alors Xari ! J'ai pas. On était quand même sur un point décisif, hein. Tu t'es quand même suicidé sur un point décisif. Enfin, il est toujours d'ailleurs. Oh la flèche qui est. Aïe, il fallait bloquer ça, Zulplux. J'étais dessus, hein. J'étais dessus, pas eu le réflexe. Bah oui, sinon tu serais pas mort. Ouais. On voit que je me suis retourné, mais j'ai pas eu le temps de. Et les 10 points, la première game de ce BO3 remportée par Xari. Est-ce que tu penses que tu peux prendre cette deuxième game, Zulu? Non, je pense que c'est faisable. Tu penses que c'est faisable? Il n'y a pas énormément, il y a 3 points d'écart. Non, crois-y, c'est. Crois-y, puisque non, c'est possible. Là, les gens ont besoin d'y croire. Non, c'est possible. Attends, on va faire un autre. Parce que là, c'est encore un truc sans. Vas-y, je te laisse gérer. J'ai appuyé sur rien. Donc, what? Quoi? Vas-y, okay. On fait ça. C'est quoi, c'est bien cette map? Ça débloque cette map, semble-t-il. C'est quoi cette map? Sunken City. Oh, y'a des chompes. On verra. Ah ouais! Ah ouais, c'est hardcore quand même. Alors, soit c'était un coup de chat. Non, c'est un gros coup de chat. Hein. Soit. Énorme coup de chat. Je savais pas que ça allait faire ça. Je pensais que ça allait là tout droit, tu vois. Non, ça a suivi. What? Quoi ça? Oh putain. Je sais pas ce que ça fait. Hein. Alors moi j'appelle. J'appelle pas ça les flèches quoi. C'est des petits spermates. Ok d'accord. Genre les comme ça quoi. Oh non, mais non, mais. Là t'es allé tout droit. Mais non! Mais putain! Je voulais qu'elle fasse un angle droit et en fait. T'as les dessus. Zulu qui prend 3 points d'avance hein, contre 0 ici. Xari qui est en train de mener cette deuxième partie qui mettra un terme à l'épreuve sur ce jeu. Zulu doit se réveiller. Il a attention. Il prend un dégât de par son absence de connaissance du jeu. C'est une chose qui arrive. C'est pas grave, hein, c'est pas quelqu'un con. Alors elles sont assez ridicules. Ces flèches tout de même. Non, on dirait pas les flèches, on est d'accord quoi. Ouais, des... Mais préservatif. Je suis un con quoi. Zulu qui prend une quatrième game dans les dents, les Boltaros qui sont dans le camp. Non, mais je peux revenir. De Xari. Tu peux revenir. En plus, t'as le shield du noob, donc vas-y, donne-toi à fond, mon pote. Et voilà, il marche sur la tête de Xari. Je suis pas assez agressif en fait. Je suis trop sur la défensive. Et... Oui, il faut que. Défensive, pardon. Oh, tu lui as enlevé la couronne? Et voilà, Xari qui prend donc. Quand j'ai dit que je pouvais revenir. Prends ça et. Avec toi, le shield de la honte, c'est pas. Tu n'as plus le shield de la honte désormais. Ah, on peut ouvrir les coffres en hein, tirant les flèches. Ah. Ah, je me suis jeté sous ses pieds. Exactement. Très bonne analyse. Ah, le shield de la honte est revenu. Quelqu'un a déjà. T'as déjà battu dans le nouveau pit de Xari ou pas? Non, mais non. Je m'en souviens. Enfin, peut-être, j'en souviens pas. Dans quelques jeux, oui, probablement. Quoi? Ah, j'ai cru que t'allais dash et que... Du coup,
coup j'aime. Oh, oh là. Je me suis fait pousser par la merde là. Ah bien joué la à toi. La victoire revient donc à Zulu et... Non mais je suis pas vaincu, je suis pas vaincu. De grâce, t'es sauvé vaincu, Xari mec. De ce courroux malchanceux. Ah oh, bah tiens le shield que tu viens d'avoir tu le perds alors. Bah là on a plus de flèches. Bah si il en a une, regarde. Oh merde. J'avais oublié que j'arrivais là. Oh, il a plus de flèches mec. Il va jouer pour t'écraser. Il s'est fait écraser. 5-4. Zulu qui remonte. Non mais c'est bon, j'ai compris le but du jeu, il est mort maintenant. Ah oui bah d'accord. On en est là. C'est pas le plus dur. Mec tu peux tirer, c'est des bolts à rose. Elles sont pétées. Elles sont nulles. Quoi? T'as activé un truc pour avoir l'angle droit ou pas? Non, ça va tout, fait auto. Ça fait tout seul, dès qu'il te voit, il en mode. Ah oui. Alors? C'est vraiment fort. Ah oui. Ouais, c'est vraiment fort, mais apparemment tu m'as raté quoi donc. Ça va tout drôle. Oh là les gars, c'était. Il y a eu un petit peu de panique quand même, hein. Ouais, 7 points contre 4 pour Zulu. Attention, le shield de la honte qui vient d'apparaître sur toi. Zulu, tu es dans la vallée de l'espoir. Des jeunes talents, mais pas encore. Et là, t'as pris 2 flèches par contre. Non. Putain, t'es mort, je t'ai pris en plus. 8 ouais, à 4. Non, j'ai perdu. Ah non? Merde. Ok. Coucou, salut, merci. Ouais, Xari, ouais, merci à toi. Ah, t'inquiète, il est déjà mort, il ne sait pas encore. Attention ici. Toutes les bolts qui sont gaspillées. La full panique. Alors là, ouais, c'était full panique. Ouais, c'est... Xari, il a lancé 4 bolts qu'il avait. Ah oh bah c'est pas mal ça. Mais d'un coup d'un seul. Oh. Et voilà. Oh mec, regarde le replay. Oh ah, non, toi tu laisses le replay. My bad. Parce que j'ai eu vraiment eu chaud là. Wow, il y a tellement d'items là. Oh, genre bloquer. Ça a pas contré là. Ça aurait dû co... Oh putain, oh. Oh, je suis passé entre les deux flèches dans un petit pixel de poche. C'est très petit du coup. Mais. Oh, tu t'es accroché au mur. Xari qui se fait clouer au mur. 8 à 7, encore une fois. Hein. Harry, si tu nous regardes, cette blague ne se démodera jamais. Oh là là, putain, bah, là. J'ai que 2 flèches, c'est trop chiant. Une égalité, Zulu peut-être, sur la victoire d'une manche de ce BO3. Là, j'ai 3 flèches. Zulu peut-être. Xari, oh, bien joué ça. Xari. Bien vu. Ah, c'est invisible, attention. 9 à 8, la dernière game pour Xari afin de mettre le match, mais Zulu peut encore revenir, il ne s'agit que de 2 points. Et donc d'une flèche par point. Et voilà, une flèche désormais passée sur Xari, Zulu qui est à égalité à 9 à 9. C'est la game de match. C'est en 2 points gagnants ou pas? Ah non, ah ouais, celui qui gagne là, il gagne. Ok, c'est chaud. Et peut-être pas... La flèche bolt, c'est n'importe quoi. On revoit peut-être au ralenti le... J'étais là pour... Voilà. Pourquoi pas créer l'exploit. Xari, si tu veux bien me faire passer en tant que maître de cet événement, la boîte Ivry Trivial Poursuite afin que je puisse vous poser des questions. La première épreuve étant terminée, Xari remporte un point dans ce Beat the Xari. Je vais désormais vous poser à chacun, l'un après l'autre, une carte jaune. 2 questions entières, celui qui a le plus de bonnes réponses remporte un point également. Je t'invite Xari pendant ce temps à changer de jeu. On va commencer donc par le perdant, Zulu, perdant de cette épreuve. Je vais te poser 6 questions à la suite, tu es prêt? Ouais. Il y a du temps, il y a... Non, okay. tu as tout ton temps, faut juste répondre aux questions, pas trop longtemps non plus parce que sinon ça me fait chier et je peux te virer à tout moment. Lors des fêtes de Saint-Firmin, ou de Saint-Firmin, je sais pas comment dire, à Pampelune, que lâche-t-on dans les rues? Des chèvres, des lions, des taureaux. Lors des fêtes de Saint-Firmin, à Pampelune. Pampelune. 600. Qu'est-ce qu'on lâche dans les rues? Des lions. Si c'est en France, c'est les taureaux, mais je pense. Enfin, ça me dit, je pense en pas Espagne. En France.
Ah, peut-être. Mais oui, mon pote. Mais je dirais des chèvres. Mais non, des taureaux. Mais non, c'est des taureaux. C'est quand les gens sont dans les rues à se faire courir après par des taureaux. Non, mais je vois très bien, mais je sais pas, pampelune, ça me dit rien. Ouais, je suis allé une fois, j'ai voulu descendre, j'avais 6 ans, ma mère m'a dit non. Voilà. C'est tout. C'était voilà, okay. Mon anecdote. Quel animal, bon, je le sais parce que j'y ai été. Quel animal n'est pas un chien de cinéma? Marley, Milou ou Paténeron? Patenron. Pardon, pas Paténeron. Mais Patenron, c'est un chat. Lequel n'est pas un chien de cinéma? Marley, Milou ou Patenron? Alors, Marley, c'est... Oh, est-ce que c'est pas le mec dans... Marley Gaumont. Attends, Marley, c'est quoi? Parce que mon Milou, c'est Tintin, donc c'est bon. Marley, j'allais dire une énormité, mais c'est... Non, c'est Rantanplan, le chien dans Lucky Luke. C'est qui, Marley? Non, mais c'est Patenron, gros. Spontanément, j'aurais dit Patenron, mais... Parce que Marley, ça me dit un truc pour un chien, mais je sais plus qui. Ok, donc, tu diras Patenron. Ouais. Tu as raison, c'est le chat d'Hermione dans Harry Potter, du coup. Heureusement qu'il n'y a pas de temps, hein, Zoulou, parce que... Le créateur de Guignol était arracheur de dents, vrai ou faux? Donc on parle de Guignol, bien sûr, le truc de cirque. Je vais dire vrai. Et oui, parce que c'était pour... Distraire les children. Ça paraissait logique, ouais. Comment s'appelle la forêt des Robins des Bois, Bronceliande? Sherwood. Sherwood. C'est validé? Oui, c'est validé. On vérifie, peut-être un huissier. Voilà, Sherwood, c'est exact, mon ami, bien joué à toi. Attention, tu n'as qu'une mauvaise réponse. Xari peut se tromper aussi sur une réponse. L'avant d'un bateau s'appelle la poupe, vrai ou faux? Non, c'est la proue. Exact, la poupe, c'est l'arrière, bien joué à toi. Trop fort. Babord, wow. Tribord, Babord, c'est où? Babord, c'est gauche. Oui, c'est à gauche, bien joué à toi. Tribord est à droite. Floppy. Laquelle de ces activités est un véritable sport? La course en sac, le jeter de clé ou le lancer de marteau? Lancer le marteau. Exact. Le jeter de clé. Hein, j'ai toujours voulu que ça apparaisse un jour, mais ça n'apparaîtra jamais. Xari, Zoulou a fait une mauvaise réponse. C'est à toi de jouer maintenant et de peut-être réussir. Ok. Un sans faute, maybe. J'ai eu de la chance que je suis allé chercher l'info sur poupe et prou hier. Donc, ah ouais, plutôt château, quoi. Quelle montagne n'est pas un volcan? L'Etna, le K2 ou la montagne Pelée? Je vais te dire la montagne de Pelée. C'est le K2. Ouais, une mauvaise réponse, tu es désormais à égalité avec Zoulou. Peut-être que Zoulou peut remporter un point si Xari se trompe une seconde fois. Comment s'appelle le vieux barbu de la série Il était une fois la vie? Le cerveau, Maestro ou Pietro? Okay. C'est Maestro, c'est exact. Réponse, l'Homo sapiens est aujourd'hui le seul représentant de l'espèce humaine, vrai ou faux? Vrai. Vrai, depuis la disparition de l'homme de Néandertal il y a près de 30 000 ans. Où sont recrutés les agents secrets de Cherub, C-H-E-R-U-B, Cherub, sur internet, dans des orphelinats ou dans la presse? Dans un orphelinat. Exact, ce sont dans les orphelinats. Quel insecte est surnommé bête à bon Dieu? La coccinelle. C'est effectivement la coccinelle, je savais pas. C'est ça. Citez au moins 4 des 5 saveurs principales. Hein? Citer au moins 4. Sucré, salé, amer, acide et... La dernière, t'en as donné 4. La dernière est ultra dure à donner. Si t'as pas la dernière, je suis désolé, je t'accorde pas le point. Alors? Je sais pas. C'est umami. Ah non, d'accord. Umami, c'est savoureux. Oh putain, ah oui, c'est vrai. Voilà. Ok. Donc bien joué Xari qui a une mauvaise réponse et du coup vous êtes à égalité, aucun point n'est accordé. J'ai deux mauvaises réponses. T'en as une? Non, j'ai le volcan. Ouais, il a pas eu la dernière, ouais. Ah oui, vas-y, c'est 4 des 5, c'est pas 5, c'est 4 des 5. Ah bon, bah c'est bon alors. Donc il a bon, donc il n'y a qu'une mauvaise réponse et vous êtes désormais à égalité, aucun point n'est assigné. Alors, quel est le but du jeu? Quand il y a le truc qui fait t'appuies sur A. N'importe où t'appuies. Et voilà, là t'as pas appuyé. Bah, je sais, t'avais pas la manette. Non, mais Osef, c'était pour tester. D'accord. Mais are you dumb? Ok. Donc dès que ça apparaît, tu appuies, il faut appuyer le plus rapidement possible. Le but étant que le premier qui appuie remporte le match, tout simplement. Il est ultra rapide, hein, Xari. Donc, donne tout. Hein. Ça, n'importe quelle touche, ça marche. Hein. N'importe quelle touche. Ah ouais? Oui, n'importe quelle touche. Bah. Putain, il est fort. Ça m'a full ruine en plus. Ah bah on a vu. Bah 16 à la place de 11, ouais. C'est... De quoi 16 à la place? Il a mis 16 images à réagir quand d'habitude il met 12 images ou 11 images à réagir. Ouais. Boom! Full ruine. 14! En fait,
Genre il me stresse à bouger comme un boulot. Tu m'as déçu là par contre. 2014 c'est vraiment de la merde. Tu m'as déçu quoi. Je vais me désabonner de ta chaîne YouTube, ça va être vite vu. À 11 et c'est constant en fait hein. Il est trop joué à chaque fois. Quoi mode... oh bah ouais. Ah moi je vis mon truc quoi. T'as raison mec, t'as raison, vis la game mec. Conjure que 3 Xari. 1, 2, 3. Putain, j'essaie de le déconcentrer. Il a mis 14 encore. Mais il est bon ce boulot à ça hein. Bah ouais je suis bon, 1, 4 quoi. Ouais mais en fait il se déconcentre aussi donc du coup ça marche pas. Est-ce que seulement il est concentré à un moment de la game? Ouais voilà c'est ça. Ça va péter maintenant là. En jouer, j'avais pas remarqué. Non, en fait, j'avais vu le truc s'arrêter à 4 et j'étais ah. C'est à 5. Voilà. Okay. Là, c'est terminé. Ah, ok. C'est en BO3 ? C'est un BO3 de BO9. Ok. Donc, en gros, 5 manches gagnantes dans la game. Il a gagné déjà un point. S'il met ce match-là, tu as perdu. Non, mais impressionnant. Impressionnant. Il est trop déçu. Ah non. Il me déconcentrait. Attention à vous. Ah. 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 Putain, j'étais chelou. Impassible. Il fait ça, tu sais. Pourtant, à chaque fois, je me sens chaud en fait. Mais... Oui, c'est plus impressionnant parce que tu sais pas comment il fait en fait. C'est juste, il est plus rapide que toi, point en fait. T'es une merde, Zoulou. Oh oui. Oh, putain, je l'avais anticipé. Mais il a fait ça et. Oui, non, mais c'est parce que, en gros, j'allais faire ça et taper, t'es random. Et... Oui. Ah, ok. Si t'as le droit de. T'as le droit je crois que t'avais rage kit, t'avais fait. Tu peux essayer avant, tu peux anticiper. Par contre là je l'ai vu arriver, j'ai vu le panneau sortir en fait. Il l'a pris. D'accord, non. Tu veux le faire sans les yeux? Au son? Eh c'est intéressant ça. On l'a fait tout à l'heure hier avec Raph. Les yeux go sans son. Comme ça. Enfin sans son, sans... Avec Véro. Attends, deux secondes. Parce que là c'est pas très fort, du coup on n'entend pas très bien. Voilà, là c'était bon. Voilà, t'as gagné. Tu l'as mis Zolo parce que Xari ne jouait pas. Allez vas-y. Joue au son les amis, c'est à vous. Allez go. Immergez-vous dans cet océan de silence. Et le silence, c'est... Je l'ai pas entendu. Mais c'est pas un ting d'habitude. Si. Bah, tu vas tout entendre. Ça fait... Toum. Il est fort. Même là, il fait 16. Et parce qu'en fait, le son a un peu de retard par rapport à l'image. Oh, il est méga. Je sais pas comment il fait. Il gagne tout. Là, j'ai hâte de tester. Hein? J'ai hâte de tester. Demain, je viens. Ok, mec, validé. Ah, l'enculé. Il a tenté. Bien, taille. Et du coup, ça fait quoi? C'est une faute, et quand t'as deux fautes, t'es éliminé, t'as perdu là. Ah ouais. T'as perdu le jeu. Ça, je te dis, tu peux tenter en fait. Ah oui, faut pas jouer. Ah, du coup, c'était super gênant les moments de silence. Ah oui, faut s'en rendre compte quand même, Régis. Ah bah là, on a pas entendu. Comment on fait du coup? Eh bah, tant pis. Tu peux pas l'allumer à la table le son? Allume-le à table, de toute façon, j'ai gagné. Appuie. C'est du HDMI, donc si t'as l'image, t'as le son. Donc ça veut dire que ça vient de. Appuie. Il t'arrive quoi? Il a gagné. Ah, il a gagné. Il a fait 23. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On est en train d'essayer de régler des problèmes de son. Allez, au revoir. Mon Dieu, c'était très spécial quand même. Oui. Pardon, excusez-moi. Ok. Pour toi, il avait son. Quoi? Faites ça les gars. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Expliquez-moi. Rien, je voulais qu'il appuie pour voir ce que ça faisait quand il faisait deux fautes. Bah il faut que tu mettes en pleine cam. Du coup je voulais en fait. Pas, et du coup je jouais à une main, et pour appuyer je devais taper sur toi. Ah ok. Et ça marchait une fois. Ok mec. Non mais c'est surtout que j'ai pas appuyé. Je sais. Je sais.
N'empêche, 11 images, c'est pas beaucoup, non? 11 images, c'est je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je pense que c'est 110 millisecondes. Non, non, non. Non, non, en fait, le calcul ne se fait pas, en fait. Techniquement, 110 millisecondes de réaction, c'est genre presque surhumain, tu vois. Genre, c'est ultra rapide. Hein. Ah si, mec, c'est ultra rapide. Hein. Pour un truc où c'est dans le silence, c'est pas surhumain, mais genre, c'est très, 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 très rapide, tu vois. Bon, bah tant pis. Bah, vas-y, mets un Vivaldi pendant qu'on fait le deuxième jeu, et puis... Alors, c'est quoi le deuxième jeu ? Dans les questions, d'abord. Petite question. Petite question. On en parle après, si tu veux, y a pas de soucis. Juste, je finis, je fais les questions et je t'explique. Les questions, donc, encore une fois, qui a gagné ses... C'est bien évidemment Xari qui a gagné, il a mis 2 points sur le jeu juste avant. Je vais poser une carte à chacun, comme tout à l'heure. Je vais commencer par Zulu. Zulu, quel est le nom actuel du pays autrefois connu comme la Perse, l'Égypte, la Grèce ou l'Iran ? La Grèce ? Et non, c'est okay. L'Iran, malheureusement. Pendant, c'est l'Iran. Je sais pas. De quelle couleur ? Dans la Perse, il y avait les Grecs déjà. De quelle couleur ? Peut-être. Et Barba Mama, la compagne de Barba Papa. Tu sais. De quelle couleur ? Oui. C'est une... Rose ? Oui. Non. Elle est noire ? Oui. Et oui, noire. C'est rose, c'est la petite fille. Ok, je oui. sais pas. Les Vikings étaient originaires de Scandinavie, vrai ou faux ? Vrai ? J'aurais dit vrai aussi, et c'est vrai. Dans le petit chaperon rouge, qu'est-ce qui tombe quand on tire la chevillette ? Qu'est-ce qui tombe quand on tire la chevillette ? Ce câble est très bizarre. Oh ouais, je sais pas ce qu'il fait là. Non, mais c'est surtout de la texture un peu bizarre. Je sais pas. Ah ouais, c'est un câble tressé, j'adore. J'aime pas du tout. Oh ouais, oh. Je... Oh. Tu sais pas le parapluie. Mais... La bobinette. C'était la bobinette quand tu tires la chevillette. Sur, c'est sur la machine à coudre. La bobinette chez Ra. C'est dans en géométrie, comment appelle-t-on les deux droites qui se coupent à angle droit, infini, parallèle, perpendiculaire. Ou perpendiculaire. Waouh, ça c'était. Ça veut dire quoi, c'est quoi ? Selon la légende, quel sport William Webb Ellis aurait-il inventé tandis qu'il courait avec un ballon à la main ? Le rugby ? Je pense que c'est le rugby, c'est effectivement le rugby. Non, okay. Tu as eu 2 mauvaises réponses, 3 mauvaises réponses, c'est beaucoup terrible. Trop. C'est Xari, il va falloir se battre hein, parce que 3 mauvaises réponses, enfin, bon, 3 bonnes réponses, c'est quand même un score exceptionnel sur une carte jaune. Quel est le plus grand des pays d'Amérique du Sud ? Le Brésil. J'aurais dit le Venezuela, et c'est le Brésil. Non, c'est le Brésil. Ouais, c'est pourquoi le Venezuela, mais... Pourquoi pas, soudainement, j'avais envie de tenter un truc, tu vois. Pourquoi pas le Pérou. Comment s'appelle le chat qui devient l'ami de Stuart dans Stuart Little 2 ? Snowball, Snowbell, Snowdrop, Snowdoop. Snowdep, Snowbeep, Snowtup. Je sais pas, au pif, le deuxième. Snowball, Snowbell ou Snowdrop ? Snowball. Ouais. Snowball ? C'est Snowbell, c'était le deuxième. Tu avais raison. Et une première mauvaise réponse, quel personnage de l'histoire de France est souvent représenté avec sa main dans sa veste ? Napoléon. Napoléon Ier, c'est exact. Quelle personne... Pardon, le signe est commercial. Ou... Esperluette. S'appelle arrobase, vrai ou faux ? Faux. Et non, c'est... C'est faux. Le signe est commercial ne s'appelle pas arrobase. Donc... Ça me paraît logique. Laquelle de... n'est pas un champignon ? La chanterelle, la charlotte ou la morille ? Alors la morille, oui. Alors c'est quoi les deux autres ? La chanterelle. Lequel n'est pas un champignon ? La chanterelle, la charlotte ou la morille ? La charlotte. C'est une pomme de terre. La charlotte, c'est une pomme de terre exacte. Lequel de ces personnages apparaît dans Super Mario Bros. Donkey Kong, la princesse Toadstool ou Wario ? Wario. C'était la princesse Toadstool, bien essayé. Et oui, laquel de ces personnages apparaît ? Non, je sais pas. C'était la princesse Toadstool. J'ai jamais joué à ça. Deux mauvaises réponses contre 3. Zulu perd donc ce point et en donne un à Xari. C'est le 3e point qu'il marque ici. Vous allez jouer désormais à Kirby Samurai. Megatron Punch. C'est énorme. Donc, je t'appuie une fois pour la barre. Tu vois ? Donc, je t'appuie une fois sur les cibles, faut qu'elles soient au milieu. Et une fois sur le pendule pour qu'il soit au centre. Et l'addition de ces 3 paramètres fait ta force. Vas-y, teste une fois et après on voit. Vas-y, teste une fois. Non, mais quand même, la Zulu. De quoi ? C'était nul ? C'est pas ouf. En fait, il faut rapprocher les deux viseurs pour qu'ils soient collés là. Ah oui, mais je sais, j'ai. Ah ok, bah oui, c'était nul là. Bah c'est perdu hein, pour toi. Ok. Voilà. Non, mais c'est le coup d'essai. Ouais. Ah, on peut pas faire start et recommencer. Bon, tant pis. Le BO3 commence maintenant. Oh, je crois que j'appuie.
Ça te déconcentre du coup. Ah, c'est bon. Oh. Ah, oh, bah tu m'as brisé. Tu m'as brisé. Ouais, t'as brisé en deux là. Pour l'instant, 1-0. Attention, c'est un BO3 de BO3. Je me suis amélioré déjà. Je me suis amélioré. Allez. Je peux le faire. Attends. Je te conseille d'attendre. Ok, t'as mis un perfect et deux approximatifs. Dommage, j'ai mis deux perfect. T'as mis deux perfect. DSL. Oh, je m'améliore toujours. Encore. Non, bah, perdu le premier évidemment. Hein. 2-0 du coup. On recommence. T'es prêt? Là, c'est le vrai match. Là, c'est le vrai match. Soulou, tu as désormais les cheveux en l'air. Oh, oh, dommage. Parce que là, le dernier, il était horrible. Tu as raté le premier, moi. Ok. Le max est 200 ou pas? 201. Oh, ça m'a full déconcentré. Le premier, il l'a pas fait, je crois. J'ai pas fait triple. Non, j'ai full ruiné. S'il a pas 201, de toute façon, il a pas triple perfect. 196, allez. C'est quand même pas mal. Après, là, Xari a pas mal ruiné. J'ai raté le dernier en fait. Il a appuyé, j'ai appuyé. Enfin, je sais pas, ça m'a brain. Ok. Zulu qui progresse mais qui ne parvient pas à rester régulier hein, dans ses résultats. J'ai beaucoup de problèmes de régularité dans ma vie. Ah ouais ? Perso. Et donc, Zulu qui met la première game de ce BO3 du coup. Ah, c'est terrible, hein, Zulu. C'est terrible. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Oh! Compliqué. J'ai pas vu ce qu'a fait Xari. DSL. Il a mis la première game. Zulu, il te reste encore deux games hein, pour essayer de te rattraper. S'il met celle-ci, tu as perdu. Oh, je suis pas mal là, je crois. En vrai, je pense qu'il est pas mal. J'ai full ruin. C'est un peu de la merde. Ah ouais? Ça a pas fait beaucoup d'écart. Pourtant j'ai un perfect. Oui mais le perfect, aussi, en fait, perfect. Il faut vraiment tout perfect quoi. Il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre. Oh. Bon allez. Hop, celui-là je te le laisse hein. Bon je pense que tu l'as. Oui, ah oui, oh, là il te l'a laissé mes puissances 1000 hein. Mais j'ai pas fait de fissure, j'avais perdu en fait. J'ai rien. Ok, Zulu qui s'en tire vraiment bien maintenant. A toi de jouer Zulu. Ok, je crois, il a ta triple perfect là. Il a mis les 3. Il va faire le 201 quand toi tu fais 190, ce qui est pas un score dégueu. Franchement, Zulu, c'est bien, tu t'en es vachement bien débrouillé. Ouais, c'est déjà fini. Ah, ok, Le BO3 est terminé, c'est donc le troisième point qui revient à Xari. Nous allons refaire des questions rapidement. Zulu, encore une fois, perdant de cette épreuve, lequel de ces pays a une capitale qui ne porte pas le nom du pays? Le Liechtenstein, le Luxembourg ou Singapour? Singapour. Non. Et c'est le Liechtenstein, okay. Et sa capitale est Vaduz. Ou Vaduz, je sais pas comment on dit. Le reggae est né aux États-Unis, vrai ou faux? Faux. Faux, c'est en Jamaïque. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est en Jamaïque. Quel légume Louis XIV aimait-il au point d'en vouloir en hiver? L'asperge, le brocoli ou le navet? L'asperge. Le seul truc qui a l'air bon dans cette liste. Pas l'asperge. Oui, ok, parce que brocoli et navet, moi ça m'excite. Brocoli, navet, je peux pas. Brocoli, c'est trop bon. Brocoli, ça va, tu vois. Brocoli, c'est trop bon. Ah ouais. Par contre, le navet. Non, en fait, le navet, c'est juste, ça sent rien. Oui, non, mais oui, j'aime pas du tout. Le brocoli, j'aime pas du tout. Après, le navet. Ok, bref, c'est un navet. Ton film est un navet. De quelle couleur est la casquette de Franklin la tortue? Verte. Non, bah non, il est vert. Eh oui. Elle est rouge. Parce que si ça était vert, Franklin, ça serait tout simplement un navet. Quelle hormone est libérée lorsqu'on a peur? L'adrénaline, l'insuline ou la sérotonine? On a déjà fait cette question. Cette carte. C'est pas grave. Bah lui, il l'a pas fait. Alors, c'est quoi? Quelle hormone est libérée lorsqu'on a peur? L'adrénaline, l'insuline ou la sérotonine? Le navet. Le navet. L'adrénaline. Oui. L'adrénaline, c'est exact. En athlétisme, comment appelle-t-on la discipline de lancer qui utilise un poids relié à un câble en acier? Le lancer de marteau? Oui, mais oui, Zulu, mais oui. Alors, c'est le marteau.
C'est pas le lancer de marteau, j'aime pas trop, mais je vais l'accepter parce que je suis d'humeur. Ouais. Non, en vrai, c'est le lancer de marteau, c'est juste la carte. Non, c'est le marteau, c'est écrit le marteau, le Trivial Pursuit a toujours raison. Une mauvaise réponse, du coup, seulement. Donc, ça va, c'est 5 bonnes réponses hein, pour le faire dans le bon ordre. Xaris, à toi de jouer. Comment appelle-t-on une cité construite au bord d'un lac? Y a pas de truc? C'est pas facile. Mais gros. Comment appelle-t-on une cité construite au bord d'un lac? Je sais pas. Une cité lacustre. Ah bah, dans le film d'animation Azur et Asmar, a les yeux bleus, vrai ou faux? Vrai. Faux. Il n'avait pas les yeux bleus. Voilà. Selon les récits légendaires, qui la reine de Saba serait-elle venue voir à Jérusalem? Jésus, Mahomet ou Salomon? Jésus, Mahomet ou Salomon au final? Salomon. Mahomet. C'est Salomon. Ah oui, ok. Bah oui. Non, t'avais dit ça, Zach? Non, c'est lui qui a répondu. Façon, mais... Ah oui, pardon. Tu l'avais ou pas? Merde, excuse-moi. Non, je l'avais pas, mais j'aurais dit sûrement Salomon au pif. Ok, mais... donc on te laisse là quand même. C'est parce que c'est la reine de Sabbat, et le Sabbat, c'est juif. Et du coup, Salomon, c'est le. Probablement. En fait, juif, je crois. Tu dois avoir raison. J'ai peut-être des erreurs, hein, mais. Dans l'arc-en-ciel, l'indigo vient entre le bleu et le violet. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Comment appelle-t-on le mâle d'une oie domestique? Le jar. Un jar, c'est exact. Au rugby, combien vaut un essai non transformé? 5 points. 4, 5 ou 7 points? 5 points, 2 points la transformation. Précis. C'est exact, c'est exact. 3 points le drop. C'est vrai, c'est vrai. 3 points la pénalité. On s'en rappelle. Moi j'ai quand même perdu. Bien joué. Exact, tu as perdu, Zoulou qui met un point. Donc 1 à 3 actuellement, Zoulou qui remporte un 3 dans ce bit. Il a mis 3 points au total. Il a mis un jeu, carte et un autre jeu. Ah oui, donc, ok. Même 3 jeux il a mis, je crois. Ah. Alors 3 jeux, donc 4 à 1, pardon. Non, 4-2 parce qu'il a mis une question déjà tout à l'heure, je crois. Non, vous aviez égalité. Ah oui, ça. Vous aviez égalité, 0 points attribués. Là, vous êtes désormais sur Eggnog. Alors, si tu veux les touches, Zoulou, t'as une touche pour sauter qui est B. Pour attaquer, c'est A. Si tu veux ramasser une épée, tu cours et tu fais B et bas en même temps pour glisser sur le sol et récupérer une épée. Mais pour l'instant, tu ne l'as pas lancée. Tu peux lancer comme Xari l'a fait, ton épée en laissant appuyer sur la touche de tir et choisissant une direction. Et lorsque tu l'as tué, tu dois aller à ton go et donc faire passer les tableaux jusqu'à arriver au bout du niveau pour remporter la game. Ça te va? T'es bon? Je pense avoir compris. Ok, vas-y, on recommence de là. Vas-y, go. Ok. Et la bataille qui donc va là, faire rage. Là, moi, je peux pas avancer. Hein. Ah bah là, si. Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que je suis suicide sans faire exprès. Comment t'as fait? Bah, je me suis lancé l'épée dessus. Comment on fait pour lancer l'épée? Tu laisses appuyer sur la touche de tir et tu sélectionnes une direction, mais il te faut une épée pour ça. Xavier qui prend l'avantage en tapant dans la tête de Super Zoulou. Et pour ramasser, tu me l'as dit, je sais, mais... B et bas. B et bas. Voilà, t'as récupéré une épée. Tu dois vraiment laisser appuyer un moment, hein, pour, enfin, genre au moins une seconde, genre l'espace d'une seconde. Ah, c'est un truc, oh, ok. Là, Xavier, t'as été exceptionnel par contre. Moins là déjà. Ouais, là t'as été beaucoup moins exceptionnel. Bon là, j'arrivais pas à remonter en fait. Ah, Xari non plus. Hein. Ah, tu t'es suicidé du coup. Bah, il arrive pas à remonter donc. Ouais. Que tu crois? Ah, il vient de te tuer. Hé hey ah. Tiens. J'ai pas besoin de ça. Ouf. Au revoir. Hé Xari qui tente de passer malgré l'épée, il ne passera pas malheureusement. La faux wall jump hein, pour passer, c'est obligatoire. Ah, c'était ton go, tu aurais dû changer de tableau. Oh putain. Ah, merci. C'est bon, un BO3 aussi j'imagine. Ouais. Ouais. Il faut se tuer, et là il faut se tuer. Ah oui, pour savoir qui part. Oh merde. Comment on fait pour toucher le truc déjà? C'est une mine hein, que tu vois le rond. Comment? Tu laisses appuyer sur la touche de tir, tu choisis une direction et ça va lancer l'épée. C'est quoi la touche de tir? X? C'est A. C'est A, c'est la touche de... La touche de tape en fait. Ok. T'es en train de te violenter là. L'étape se donne, Xari qui est en train d'avancer. Putain, je suis un con. Rends bien Xari. C'est pas évident quand même. Hein. Merde. Et voilà, Zoulou qui reprend. Oh putain, bien vu ça. Oh merde. Ah, Xari qui marche. J'ai marché sur la mine et... Ah, merde, voilà. Voilà Zoulou. Oh. Voilà Zoulou. Merde. Hop là, Zoulou qui reprend du terrain. Et qui progresse.
Ah. Et... Ah. Ah, c'est Unlucky ça, Zulu. Ah. J'arrive pas à tirer, à lancer mon épée. Faut que tu sois... Il faut pas que tu sois en train de courir. Ah, d'accord. Ok, merde. Bon, il faut un temps pour... Hey. Pour prendre les touches. Tu vas où, toi? Pardon. Bah, là. J'essaie de jeter mon épée. Ah, merde. Il a gagné, il a gagné. Ok, 1-0. Bon, t'as compris le principe. Contre Raph, il y a une game qui a duré genre 10 minutes. Ah ouais? Ouais, il y a une game qui a duré très longtemps. Merde, attends. Ça, c'est le même terrain, on va faire un autre terrain. C'est plus marrant, non? Ario et Gris. C'est parti. Ok, donc j'ai la manette qui va à gauche toute seule. Non, c'est bon, je suis mort. Bien joué. C'était quoi le point d'exclamation? C'est quand tu déstabilises le mec. En gros, tu peux taper en haut, en bas ou tout droit. Attends, vas-y, deux secondes. Ok. Genre, vas-y, tape en haut. Essaye de taper en... Non. Attends, je te montre. Ça m'apprendra à vouloir tricher. Alors, tiens. Attends, j'arrive pas. Mais... Enfin, je voulais taper en haut. Non, je sais. Mais attends, j'essaye de récupérer la truc, j'arrive pas. Attends, voilà. Et voilà la petite épée. Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'arrive pas à récupérer l'épée. Pourquoi il saute, ce con? Ah, mais c'est parce que je me suis gouré de touche. Et oui, en gros, là c'est en haut, là c'est normal, et là c'est en bas. Et en gros, quand tu tires en bas et que le mec tire en haut, par exemple, bah. En fait, si, vas-y, fais A juste normal. Tu vois, ça fait ça. Et donc, du coup, il faut que je vise en bas pour t'avoir, tu vois. Voilà. Vas-y, tue-moi. Ou vas-y, prends une épée, on doit se tuer. Après, le problème, c'est que ce jeu est tellement rapide que c'est bien plus souvent de l'aléatoire qu'autre chose, quoi. Oui, non, mais c'est drôle quand même. Allez, allons, tente le run. Ah oh, oh non, ah bah c'est quoi ça? Hé hey, salut go. Allez, on tente le run. Non, non, non. Laisse appuyer, prends ton temps pour lancer l'épée. Ah merde. Oh, t'as failli faire un move là. Je suis tué. J'ai failli pré-shot, mais... Oh, what the fuck. Et... Ah the rebound. Oh, fuck. Go, go, go. Go. J'ai confondu les touches. Ouais. Ah, le... Oh là là. Il est trop fort. Ah, merde. Ça rebondit, du coup. Ah, mais putain, je suis con comme une table à chaque fois à faire ça. Oh. Et oh le non. Rebond. Oh, merde. Oh. Ah. Oui. Bon, apparemment, putain, voilà ce que ça fait en régie, les gars. Ça fait des origamis sur le PC en face pendant qu'on est en pleine émission. Voilà, j'ai pris un snap que je vais en story désormais. Bien joué, ah la régie, on est pleine émission. Oh oui. Donc, Raph... stagiaire, un salarié, puis viré en une semaine. Donc Non, voilà, non, mais reviens. C'est dans ma story snap désormais. Hein. J'ai zoomé sur le petit Raph qui fait des origamis en télévision. Oh, joli ça. Non, mais tu ça. Peux continuer, bro, je m'en bats les couilles. Oh là là. Oh. Bien joué, ça, mon pote. Putain, je suis nul. Le meilleur. Exact. Ah, bah t'es en haut, bah vas-y. Hein. Ouais, bah alors. Ouais, bah alors. Et au revoir. Non, on en refait une petite. Allez, on en refait une petite. Refaites-en une, les gars, s'il vous plaît. La nudité, la nudité. On en refait une petite, après on finira par des questions. Ok. Celui qui gagne cette game, il gagne tout. Oh, alors là, ne mets jamais autant d'enjeux, quoi. Que tu vas être surpris. Je peux devenir bon quand je joue le jeu. Non, non. Ah ouais. Alors, tu savais pas ça? Alors non, je regardais pas mes snaps, mon recon. J'envoyais un snap parce que j'ai vu monsieur faire un origami. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire, mais c'est génial, c'est énorme. C'est énorme, hein. Oh, loot. Ce qui s'est passé. Oh, loot play. Oh, ce qui s'est passé. Oh, loot play que j'ai mis. Je suis passé en dessous de lui comme ça, comme un génie. Et j'arrive pas à jeter, mais... Je l'ai full ruiné. Bah alors. Allez, vas-y, essaye de jeter. Essaye de jeter. Laisse la direction appuyée. Attends, un voilà. Ah, ok. Un peu déçu là, du coup, mais. Vas-y, hop, tu reprends ton run. Oh.
en plein dans ta gueule. Non, bah t'es en bas, t'es con ça. Oui, bien joué, mais trop tard. Bien joué. Et c'est Dodge. C'est vrai qu'il se laisse pas faire, hein, qu'il va mettre la game, il a mis la game. Il est trop fort. Il a joué. J'ai pas assez d'expérience sur le jeu. Les gars, c'est compliqué. Zulu, c'est compliqué. Tu peux encore te rattraper sur cette carte enfant. Ok. Là, on a le temps pour faire tu une carte enfant. Tu peux encore te rattraper sur cette question de Happy Meal. Carte enfant et après une carte Genius. Ah non, j'ai la flemme. Non, mais si. Ok, d'accord, ça va, c'est pour toi, Xari. C'est pour non, toi. Mais carte Genius, si tu réussis. Allez, pour toi, mon si tu fais un grand chelem sur le carte Genius, tu gagnes tout le jeu. Les gars, concentrez-vous. Okay. Tu gagnes tout. Tu gagnes tout et je te donne 10€. Ok. Alors pour t'as j'espère que les génies de faire cette carte enfant maintenant du coup. Hein? Aucun intérêt. Si bah parce que ça c'est le vrai jeu et après quel on fait un money match. Quelle est l'endroit de la Terre qui ressemble le plus à Mars? L'Antarctique, le Grand Lac Salé ou le Sahara? Pas le Sahara mais le Sahara. Le Sahara. Exact. Le Sahara. Le Sahara c'est l'Antarctique. C'est pas grave. Sérieux? Pas en termes de couleur, en termes de désert. Ah et oui. Ouais, c'est un désert gelé Mars. C'était trop vague quoi. Ouais mais non. C'est pas grave, c'est pas là où tu peux gagner 10 euros. Ouais, okay. On va, t'inquiète. En quel métal fictif sont les griffes de Wolverine dans X-Men? Attends. Aluminium, il a dit. C'est de l'alu. Ça commence pareil. Ça commence pareil, mais c'est pas ça. C'est l'adamantium. De la. Non. Da. Presque. Mantium, t'as dit? Non, il a dit adamantium, mais bon, on va c'est l'accorder. L'adamantium. Oui, c'est ouais. L'adamantium, ce qu'il voulait dire. Exactement. Zou. Alexandre le Grand a régné sur la Rome antique, vrai ou faux? C'était pas la Rome antique. Non, c'était un macédonien. Exact, faux, c'est faux, ce n'était pas la Rome antique. Que représente le tableau de Magritte? C'était l'Empire perse, je crois que c'est pas ça. Je sais pas. Moi, il allait un peu partout. Ok, je ne sais pas, j'ai pas envie de passer pour un con, donc je ne dis plus rien. Qui représente le tableau de Magritte intitulé Ceci n'est pas une pipe, mais je m'en souviens jamais en fait des trucs comme ça. Donc, c'est l'image d'une pipe. Non! Mais il y a marqué ceci n'est pas une pipe, c'est pas possible. Bah si. Est-ce que c'est une pipe? Et si c'est possible, c'était une pipe. Non, mais c'est ce qui a marqué. Si t'as un dessin où c'est marqué ceci est une pipe, c'est pas une pipe. Ben non. C'est la représentation d'une pipe. Voilà. Oui, merci. Quel génie! Et voilà Magritte! Wow. Laquelle de ces boissons. Magritte! Il a dit ça comme si c'était le plus grand américain. Magritte! And Magritte! With a huge play with QSS! Laquelle de ces boissons est la plus riche en caféine? Le café décaféiné, le lait au chocolat décaféiné ou le thé vert décaféiné? Le café. J'ai peur. Le Magritte! Le café décaféiné, le lait au chocolat ou le thé vert? Le café décaféiné, le lait au chocolat ou le thé vert? Exact! Ça doit être Magritte. Là où il y a le moins de caféine. Le moins? Bah le de le chocolat. Attends. Le plus. Le oui, ah, bah, c'est, oui, c'est bien ce que j'avais compris. Le plus de caféine. Bah le thé. Alors ce n'est pas Magritte. Je dirais le thé vert, mais en vrai. Bah, tu dirais? Ouais le thé. Attends. Non, je dis pas le thé vert. Non, ah, voilà. Je dis pas voilà, le thé vert. Voilà. Je dis pas le thé vert. Je dis le chocolat chaud. Eh c'était le thé vert. Mais pourquoi le chocolat? Mais y a pas de caféine dedans. Je sais pas, ma mère elle boit du thé pour aller au lit. J'y y a pas de caféine dedans, tu vois. Enfin... Mais bah ta mère elle est bête. ou alors je confonds, elle prend les tisanes. Ah oui, la tisane, pas pareil. Ouais. Tisane, c'est. Le thé vert, c'est un Tu voles mon téléphone? C'est un antioxydant. Et ça permet de bien digérer. Ok, je sais rien. C'est pas grave. Vas-y. Arrêtez. Continue. Arrêtez, je vous en supplie. Magritte! Le corps des premiers. Monsieur Patate était fait avec une balle de tennis, un bouchon de liège, une pomme de terre, une bite. J'ai été surpris. Un bouchon de liège. Un bouchon de liège, c'était un ultime bafouille? Oui. C'était une pomme de terre. Mais pourquoi t'es con? Ça s'appelle Monsieur Patate, ça peut pas. Là, Monsieur j'ai lol parce que j'ai dit bite en fait. Je sais pas combien de bonnes réponses il y a eu, mais on sent beaucoup. Beaucoup. Bon, c'est parti. Beaucoup. On va faire une carte Genius pour Xari, le Genius au final. Ok. Donc c'est pour vous deux, les gars, vous allez répondre tous les deux, bien okay. sûr. Ok, c'est eux qui répondent plus rapide. C'est pas que pour toi, Xari, hein, de toute façon, c'est, okay, pour, okay. C'est pour les deux. Non, vous tapez le premier à répondre. Si c'est une question avec plusieurs réponses, je crois pas que c'est possible là-dedans, mais on sait jamais. Si c'est une question, il y a plusieurs réponses. Le premier qui tape donne une réponse et annule la question. C'est-à-dire qu'elle est terminée, même s'il se trompe. Parce ok. Quel est le point culminant de la Frike? Le mont Kilimanjaro.
Le mont Kiliman. De la fraie. Jaro. L'Afrique. Pas Jaro. Jaro. Il y a un D. C'était l'Afrique, mais il a. Ah oui, d'accord. De la fraie. Non, mais il faut répondre à la question. Est-ce que je dis aussi d'accord, ok. De la fraie. C'est quoi la fraie? Où se passe la majeure partie E du film allemande Das Boot. Parenthèse ouverte, le bateau. Parenthèse fermée pour l'interrogation. Dans un sous-marin, ce film. Dans un sous-marin, exact. C'est bien joué à toi. En quelle année le site de vente aux enchères eBay a-t-il été fondé? 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2018. 95. 2001. 95, effectivement, c'est l'année suivante de ma naissance, bien joué à toi. Dans le cycle de Dune, à quoi reconnaît-on les mantats, qui utilisent au jus de Sapho? Je répète, c'est très mal posé comme question. Je suis paumé là. Non, mais moi je me suis paumé dans la question. Dans le cycle de Dune, à quoi reconnaît-on les mantats qui utilisent du jus de Sapho pour améliorer leurs facultés cognitives? Faut le dire vite en fait, c'est plus rapide. C'est plus rapide et plus facile. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Concentre-toi, Zoulou. Ils sont d'une autre couleur. Il arrive quoi, lui? What the fuck? Il arrive, il me regarde, il me fait bah t'es viré, mon pote. Je fais mon bah, désolé. Moi, c'est pareil, je monte, on me dit faut que. Répondez, spectateur. C'est. Dis la réponse avant qu'on coupe. Leurs lèvres sont rouges. Voilà. Qu'empêche un médicament anti-hémétique? De vomir. Exact. Qu'est-ce qu'une compétition? Iron Man. Un triathlon très très dur. Ah, qu'est-ce qu'une compétition Iron Man? C'est pas ça. C'est un triathlon extrême. Et voilà, ah, les termes sont exacts. En fait, c'est un triathlon de 42 km extrême. De course à pied, de 4 km de nage et de. Non, c'est plus que 4 km. C'est 8 alors. Et c'est. C'est 200 km à vélo, un truc c'est comme ça. C'est 200 km à vélo, ouais. Ou 120, quelque chose comme ça. Oh, ouais, merci à vous, les potes, d'être venus dans ce vidéo, on n'a pas le temps. Au revoir. 4.